Comme si je n'ai pas les insultes dans ce langage-là. J'ai donc plus besoin de ça. Avec ou sans, t'es un homme mort, Suleiman. Allez, Crane. Ne fais pas comme si tu t'en moquais. Combien de vies dépendent de ce disque? Des centaines? Des milliers? Peut-être des milliards? Oh putain. J'étais vraiment pas prêt à ce qu'il y ait un QTE, quoi. Crane, ne fais pas comme si tu t'en moquais. Combien de vies dépendent de ce disque? Des centaines? Des milliers? Peut-être des milliards? Ocean, no. En fait, j'ai pas compris parce que j'ai appuyé et ça a rien fait. Tu as raison sur une chose, Crane. Suleiman est mort. Ah, mais je connais pas mes boutons. Je connais pas mes boutons! Tu as raison sur une chose, Crane. Suleiman est mort. Il est mort avec son frère, dans cette ville. Tu n'es même pas d'ici. Tu ne connais pas la souffrance. J'ai raté. Taper sur S au lieu de taper sur Z. Non mais encore sur une manette je pourrais comprendre, mais là je connais pas toutes les lettres. Suleiman est mort. Ah. Il n'y a pas que Suleiman qui est mort. Tu as raison sur une chose, Crane. Suleiman est mort. Il est mort avec son frère dans cette ville. Tu n'es même pas d'ici. Tu ne connais pas la souffrance. Tu as raison sur une chose. Oh là 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 là. Suleiman est mort. Et je vais devoir tout me noter, quoi. Il est mort avec son frère, dans cette ville. Tu n'es même pas d'ici. Tu ne connais pas la souffrance. Je vais t'apprendre, Crane. Tu vas souffrir avec moi. Vas-y, lâche-toi. Oh, je laisserai tellement crever comme ça. Je ne résisterai pas, comme tu l'as fait pour Tahir. Vas-y. Va te faire, enfoiré. Tu veux que j'édicte mes règles? La première, c'est que tu vas souffrir tout le reste de ta putain de vie. Vous savez, c'est moi qui écris ma phrase d'un traducteur. Ok. Crane. Non bah Kiki, je le gérerai parce que je sais que t'aimes bien les Russes. Terre, merde. Ah non, il y a l'hélicoptère. Et là, c'est la merde. Oh putain. La situation change en un rien de temps. Si c'était à Aran, cette blessure m'aurait tué. Saute, tiens, c'est des sacs poubelles en bas, t'inquiète. Maintenant, c'est toi qui es entre la vie et la mort. Et le GRE va me conduire dans un hôpital. Je t'offre la possibilité de décider de ton sort. Donne-moi le disque, afin qu'il y ait une petite chance qu'Aran survive. Et je te tuerai. Sans douleur, si tu résistes. La ville est perdue. Comme toi, tu as jusqu'à d'accord, ça. D'accord, tiens.
Avoir des réflexes de sniper, hein, c'est... Ça te va comme décision, connard. T'as l'empêche, faut avoir de la force dans les bras, hein, pour faire ça. Il est parti, les Russes. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et tant que t'es là qui kick, c'est le principal. Par contre, le Géro, c'est pas cool, cool quoi. Qu'est-ce que tu veux ? Reich nous a dit qu'il avait les notes du scientifique mort. Il n'y a que le vaccin qui nous intéresse. On vous donne une dernière chance. Récupérez le reste des données et venez avec nous. J'ai des tonnes de raisons de vous dire d'aller vous faire foutre. Mais si pour une fois vous arrêtiez de me prendre pour un con, vous avez besoin du vaccin, et il est ici, quelque part, en ville. Tant qu'il sera là, vous pourrez pas tout faire sauter. Rain, qu'est-ce que vous en avez à foutre de ce qui arrive à ces gens? Vous n'êtes pas ici. C'est juste une mission. Non, plus maintenant. Je vous recontacterai quand j'aurai pris ma décision. Oui, je vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a ? L'analyse des échantillons est terminée. Les résultats sont époustouflants. Et je ne pense pas que le mot soit trop fort. Crane, si vous récupérez les notes d'Azeri, je suis certain qu'on pourra trouver un vaccin. Entendu. On en reparle quand on se voit. Passez la nuit dans l'abri le plus proche. Bonne nuit et bonne chance. C'est fini. The food.